Dossier assassinat Jovenel Moïse, là, mesdames et messieurs, tellement de monde qui impliqué. On dirait que c'est tout le monde là qui te mettait ensemble pour retirer la vie. Président moi, je dis en la gain plusieurs années depuis que Negio massacre ni et qui pour que j'aime jeune justice. Et bien je dis en la dernière information qui fait que ce tombé là, mesdames et messieurs, et bien vous jeune gagnant agent FBI, et bien qui est même impliqué dans le dossier assassinat Jovenel Moïse là. Et bien l'autre bout tout, il fait connaître Claude Joseph, et bien monsieur Pata innocent dans tous les Jovenel. Nous songeons tout. Les mouvements et à marcher chercher Colombien dans notre pays a été lancé. Et bien, comment Claude Joseph te get après, il dit que pays a sous contrôle, tout bagaille sous contrôle. Depuis le ça, un pile monde te suspect, déclaration ça a été gagné, et bien, l'autre bagaille qui cache de elle. Et bien, c'est là, nous parlons avec Claude Joseph, monsieur Van Ariel Henry pouvoir, et puis après ça, il prend poste dans l'opposition. Pourtant, et bien, Claude Joseph en bas, c'est bon, Zami Ariel, mais en l'air, et bien, le point pose, il tape les vies batailles, fait manifestation contre Ariel, pourtant, si théâtre n'est qu'il tape fait, il connaît bien qui ça a tape fait. Et bien, monsieur, joue, sous conscience peuple, jusqu'à ce que la population a devine quoi dans Claude Joseph comme futur président du pays. Et bien, un seul coup, Claude Joseph vient montrer vrai et visage, le côté, il prend déclaré dans la radio, donc la fait éloge pour Ariel Henry. Et bien, tout le monde vient voir Claude Joseph, monsieur, son petit vicier, son petit tchoul, son petit volant. Eh bien, je dis à la Claude Joseph, monsieur, a bien causé pour le compte pour le rendre dans le dossier assassinat Jovenel Moïse. Eh bien, dans la vidéo, ça, nous allons inviter à écouter plus de détails à Claude Codési, eh bien, qui pourra déchiffrer le dossier ça pour nous, parce que bagarre là vraiment prend l'autre niveau là. Oui, gouvernement américain, mesdames et messieurs, ils ont impliqué dans tout le Jovenel Moïse et toute longueur, parce que bagarre là pas vraiment simple, j'ai envie le monde de comprendre. Commissaire Muscadet, mesdames et messieurs, en danger parce que Pierre Espérance, monsieur Sémantil, là, le pape quitté, et bien commissaire Muscadet, rete, et donc, dans la tête, et paquet Miragouane, et monsieur Mandé pour révoquer, et commissaire Muscadet, rapide, vite, qui possible, parce que le commissaire a fait, et bien, bandit, et Aljon Baron, et bien, Pierre Espérance, là, qui lui-même senti, et bagarre pas fait bien les ministres a tout bandit comme ça et monsieur mandé pour que ministre justice là mesdames et messieurs révoque commissaire Muscadé puis vite que pour ces plus de détails on écoute la tourne information selon site communotech.com qui cite journal Miami Herald un article qui suscite ça il dit de nouvelles informations viennent d'être révélées sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, le 58e président haïtien, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Selon le journal américain Miami Herald, alors là, m'a cité un article sur site Communauté Tech qui citait journal américain Miami Herald. Selon le journal américain Miami Herald, plusieurs sources ont confirmé qu'Arcangel Pretel, l'homme d'affaires, l'homme accusé d'avoir recruté les membres colombiens impliqués dans l'assassinat est en réalité un agent du Bureau fédéral d'investigation FBI. Donc cette révélation soulève de nombreuses questions sur les liens entre l'assassinat du président Jovenel Moïse et certaines autorités américaines. Le journal décrit Arcangel Pretel comme étant un proche CTO. Le plus haut responsable du gouvernement américain renforce ainsi les spéculations sur l'implication d'intérêts internationaux dans l'affaire Pretel est également lié à Antonio Intraigo, le PDG de CTU Security, une société basée en Floride qui avait embauché les mercenaires colombiens ayant exécuté Jovenel Moïse. Depuis que les soupçons se sont intensifiés contre lui, Arcangel Pretel semble s'être fait discret. D'après Miami Herald, la dernière fois qu'il a été repéré, c'était en octobre 2021 à Miami, lorsqu'il a appelé un feu rouge, ce qui lui a valu une interpellation. Il a ensuite été libéré contre une rançon de $277. Ta révélation complique cette enquête, déjà marqué par de nombreuses controverses, les implications internationales et les liens présumés
entre les responsables de cet assassinat et des agents de l'État américain suscite des inquiétudes quant à l'étendue des ramifications de ce complot meurtrier. Donc ça, c'est Communauté Tech News qui t'a cité, donc il y a un article du journal et Miami Herald. Donc ça veut dire, Isaïe César, bien matin à tout, je dis ainsi, effectivement, donc à Cantrell et Petrel, à Cantiel Petrel, c'est un FBI. Ça veut dire un paquet de bagailles dans le dossier Jovenel Moïse là et en même temps, la justice pour Jovenel Moïse, et pas de matin que l'a venu. En même temps, ou vin garder pour eux, implication américain yo dans quatre dossier ça. D'ailleurs, la réunion pour te assassiner, pour arriver à pour aboutir à assassiner président, réunion ça a li fait États-Unis d'Amérique en Floride. Ouais. Et deux moun yo dit qui piqué et qui piqué à couteau président qui massacre président deux nan nek sa yo, yo dit c'est et Vincent et Solage qui c'est deux américains ouais. Tout nek sa yo c'est américain yo, et yo té deux nek sa yo c'était des moun qui t'a travaillé pour dire attention hein eh ben et mais yo tout pour te assassiner le président yo utilisé et information FBI information DIA donc ça veut dire que je dis à la dernière américaine ça fait trois américains qui gagnent yo trempé dans la mort assassinat Zack Maspinay sous président de la République donc ça veut dire ça clair que c'est un crime transnational que Américains ont droit de là-dedans. Ça veut dire que qui implique toi États-Unis, c'est domaine Colombie. Donc ça veut dire que Américains ont droit de trapper très très fort dans crime ça. Le colisez. En tout cas, son dossier n'a pas suivi et nous pouvons parler avec Stanley Lucas donc à ce sujet et demain donc à l'émission Matin Débat. Monsieur Cantave, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat. Comment allez-vous? Bonjour Luco. Bonjour Esaïe César, Pierre Martin, à toutes, bonjour toutes les amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, Téléclair et émission Matin Débat. C'est un plaisir, oui, pour me là avec mon matin. Loco, à pas m'en donner la guerre sur l'âge, est-ce que c'est la vérité? Il y a une information de sécurité comme quoi tu as la guerre sur l'âge, tu as libéré sur l'âge. Je ne comprends pas ça. On a tourné sur question à deux, mais si tu veux, ok? On a voulu même, je vous dis, donc on a tourné, et parce que tout le monde peut me parler avec eux, on a tourné sur question à deux, mais si tu veux. Nous besoin RNDDH tout simplement comme organisation qui défend droit monde faut effectivement on défend droit monde et Jean Sotap dit la Vladimir Désir il doit faire sans exception aucune oui il a dit c'est tout monde yo dit dans situation que vous y est là si n'a pas les droits humains mon cher gain problème Donc victime yo si yo pa jim dan pou yo alors on moun ki prend position pour défendre yo c'est moun ça kap subi reprisaille go bagay ki pa clair oui. Et nous clair sou ça parce que mwen dil ou ta ka gagner toute bagay contre Muscadin gen de dou gen droit gagner ou gen de bagay la ki fait ki mal mais nan moment ça même pour faire monsieur Sibou pour décider attaquer et river mandé révocation Mba comprendre. Et mba clair du tout. Non mba clair même. Mba clair. Non mba clair même. Et gouvernement ça. C'est que ce conseil présidentiel. Le premier ministre Gary Conille. Matin m'a dit nous le clair. Si nous besoin aller plus vite mai Muscadin. Peut-être ça qu'a fait nous aller plus vite. Et nous devons comprendre. Yo ne pas comprendre. Oui, on ne pas comprendre. On ne pas comprendre ça que là. Ah, on ne pas comprendre parce que moi yo entre tête en ballon bagaille pas comprendre. Non, yo ne pas comprendre. Yo grave faire international plaisir. Yo ne pas courir. N'a pour qui ça va passer parce que nous yo moun ni ban nous sinan nous pas comprendre. Et ni pas ni pougna seulement non. Gade nous pas comprendre. Fon balle avec vous fon balle avec vous comprendre. Ni pas ni seulement non. Moun ki rien mi travail Muscadin. On a tout pays presque
jodi a révoqué Muscadet son message n'a voyé oui son bagay n'a dit clair oui peut-être oui. Non pas de dire